Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hey, regardez dans quoi je suis arrivé. Ouais, une voiture de police. Et aujourd'hui, on va tout apprendre sur les voitures de police. Regardez un peu ça! C'est une voiture de police! Ça vous dit de venir voir comment marche une voiture de police avec moi? Ouais! Venez! Ouh! Regardez un peu cette rampe gyrophare! Là, la lumière rouge et bleu qui est là-bas! Et à propos de lumière... Wow! Voici le projecteur! Wow! 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 Ça m'éblouit! Et à l'avant de la voiture de police, c'est un pare-buffle! C'est utile pour pousser les véhicules sur le bas-côté de la route, en cas de panne. Et alors là, en bas, voici le haut-parleur! Écoutez! Vous là, dégagez de la route! C'était trop bien! Oh! Et un de mes trucs favoris par là! Le moteur! C'est d'ici que provient toute la puissance de la voiture. Oh! Voilà l'huile! Vous faites le niveau avec moi? Ha! Les allergies de saison. Ok? Ouh! Regarde! Ouais! L'huile est ok pour moi. On remet la jauge en place et on ferme le capot et on va vers l'arrière. Ouh ! Regardez en bas, les roues et les pneus. Waouh ! Et regardez là, deux mots. Le premier mot est Olympia, O-L-Y-M-P-I-A. Et le deuxième mot est police. P-O-L-I-C-E. Olympia, police. Et enfin et surtout, le coffre. Il y a des trucs cool là-dessous, je le sens. Waouh! Fusée de détresse. Oh! Un pistolet radar. Et... ces cônes, même de la rubalise. On verra le reste plus tard. Mais maintenant, c'est l'heure de danser. Voulez-vous voir l'intérieur du véhicule de police avec moi? Ouais, venez! Wow! Wow! C'est l'intérieur du véhicule! Regardez ça! C'est un interrupteur, vous voyez? Je vais le pousser vers la droite. Et voici les lumières, là-haut! Wow! Elles éblouissent. Ok, je les arrête là. Elles sont éteintes. Regardez ça. Voyez, je viens juste de l'allumer.
Ça, c'est le projecteur. Vous le voyez? Wow! Ok. On éteint ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Wow! Le super volant! Et... Ouh! Le microphone! Hello! Hello! Je vous vois! C'est Blippi! Ça, c'est fun! Et oh! En parlant de bruit et de son... Regardez ça! Ça, juste là, ce bouton! Essayons! Ouais! C'est la sirène! Ouh! Et l'ordinateur! Ouais! Wow. Ça, c'est trop cool! C'est la chanson Blippi, voiture de police! Ok! Et j'ai encore d'autres trucs fun à vous montrer par là. Venez, je ferme la porte. Ok, venez ici. Regardez là. Ça, c'est le sac d'intervention. Il y a plein de gadgets super cool et de surprises là-dedans. Wow! Voilà les jumelles! Wow! Je peux voir tellement loin! Wow! Hey! Ok, on repose ça là. Oh! Un petit rhino! Oui, 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 oui! Wow! Ouh! Appareil photo. Ouh! Lampe torche. Hello. Hello. On peut voir dans le noir. Wow. Trousse de secours. Oh. Et des menottes. Trop cool. J'adore les menottes. Ok. On va les essayer. Elle est attachée. Oh. Et maintenant qu'on a mis les menottes, on ne peut plus les enlever. Oh, oh. Mais heureusement... Waouh, j'avais cette clé pour menottes ici. On pousse par là, un tour par ici, et on les enlève. Super magique. Alors, on remet ça là. Et enfin, pour finir, tout officier de police se doit d'avoir une paire... de lunettes. Ok. Là, je suis un officier de police. Hé, regardez ça. C'est là qu'on va mettre le suspect. Waouh! La porte n'a même pas de poignée dedans. Et les sièges, en plastique, c'est très inconfortable. Waouh! J'aime pas trop être là derrière. Et pas de poignée, c'est comme une sécurité enfant, mais pour adultes. Hey, voici un appareil qui mesure la vitesse. Ça envoie un laser qui rebondit sur la voiture et revient. Il donne la vitesse à laquelle les gens roulent. On est là sur la route pour arrêter les chauffards. Oh, en voilà un. Il va bien trop vite. Allons l'arrêter. Hey, hello, monsieur l'agent. Monsieur, il faut que je vous parle de votre vitesse. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire, le pied lourd? Bon, ça va aller pour aujourd'hui. On est juste là pour garder tout le monde en sécurité. Très bien, merci. En parlant de ça, on est à la recherche de cette personne. Vous ne l'auriez pas vue? Oh non, cet homme a l'air de porter des lunettes. Moi, non. C'est vrai. Bon, je vous donne ça. Appelez-nous si vous le voyez. Ok. Bonne route. Merci beaucoup. Bye. Wow! Là, c'était moins une!
regardons ce qu'il y a à l'arrière de la voiture de police. D'un peu plus près. Oh, regardez! Voici une casquette d'officier de police. Oh, oh. Et? Ouais! Un gilet de sécurité. Ouh! C'est jaune fluo. Regardez! Ouh! Ok. Un beau gilet de sécurité fluo. Comment suis? Ok. Oh! Là, j'ai mis ma casquette. Et... Oh, regardez! Quatre cônes de couleur orange. Un... Deux... Trois... Quatre! Ok. Ouh! Regardez! Une fusée de détresse! Waouh! Bien dans ma poche. Et... Une herse routière. Ok. Je pose ça là. On ferme le coffre. Ok. Alors, commençons. Ouh. La herse routière. Venez voir ça de plus près. Waouh! Regardez ça. Waouh! Bien pointu. Ok. Mettons ça là, par ici. On met ça par là. Ok. Prêt? Regardez ça. Ok. On va baliser le parcours pour la voiture de police. Et la voiture va devoir bien éviter de rouler sur ça, parce que ça, c'est très pointu. Ok. On va donc prendre les quatre cônes. Et en mettre un par là. Venez. Et voyons, on va mettre le second par ici. Un, deux. Et mettons le troisième juste ici. Un, deux, trois. Et on en a encore un. Venez! Ok, pourquoi pas ici? Prêt? Ouais! 1, 2, 3, 4! J'allais oublier! Mon truc favori, la fusée de détresse! Wow! Ok! Ça, ce n'est pas un jouet! Pas pour les petits! Alors, allons-y! Wow! Ok, on va le poser juste ici. Et c'est parti pour la course. Évité de justesse. Bien joué. C'était super fun de découvrir les véhicules de police. Là, c'est l'heure de la chanson Voiture de police. Voiture de police. Voiture de
grâce à leur nez. Voiture de police, voiture de police, voiture de police. Vous avez des ennuis, quelqu'un est blessé. S'il y a une urgence, appelez 112 et la police arrivera en conduisant. C'était vraiment fun de chanter et danser sur la chanson « Voiture de police » avec vous. Hé, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes très précieux. Vous êtes d'incroyables enfants. Je suis si admiratif de voir tout ce que vous faites pour la planète. Vous la rendez meilleure et vous aidez tous les gens. Enfin, et surtout, merci d'être mes amis. Merci. Bien, je dois y aller maintenant. Mais si vous voulez me retrouver plus tard, vous savez où me trouver. Oui, cherchez juste mon nom. Vous connaissez mon nom, hein? Oui, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. On se voit vite. Bye. Hey, c'est moi, Blippi. Oh, regardez ce qu'on a là. Wow, c'est un camion à glace. Et aujourd'hui, nous allons étudier les camions à glace. Wouh ! Bien, maintenant, étudions la partie extérieure de ce camion à glace. Wow ! Toutes ces couleurs ! Wouh ! Et regardez, il y a des glaces juste ici. Nous avons Charlotte aux fraises, on a le sandwich crème glacée, voilà le cornetto, et ici, le bâtonnet rouge, blanc, bleu, glacé. Oh ! Regardez ça! Trop cool! Des jantes roses! Ainsi, le camion à glace peut faire son petit tour dans les rues. C'est magnifique! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Ça dit, enfant, ralentissez, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a des lumières. Laissez-moi vous montrer. Oh. Bien, vous voyez ce bouton rouge? Il faut le tirer et regarder ce qui se passe. Wow! Des flashs de lumière orange! Et le panneau sort sur le côté du camion à glace. Un signe pour nous dire de ne pas passer trop près du camion à glace. Ou au moins, de faire attention pour éviter de se faire mal. Donc, laissons-le comme ça pour l'instant. Oh! Laissez-moi vous montrer autre chose. Oh, vous voyez ça? Ça, c'est un interrupteur. Pour la musique! Vous entendez cette musique? Ça veut dire que le camion à glace arrive. Comme ça, vous pouvez acheter des glaces. Oh! Et regardez par ici! Les réseaux sociaux où l'on retrouve ce camion à glace à Las Vegas, dans le Nevada. Trop mignon! Oh! Et regardez ici! Regardez ce large choix de glace que nous avons. Wow! Celui-là est rouge.
rouge, orange, vert. Oh, et regardez celui-là. Une de mes couleurs favorites. Orange. Miam. Oh, une tortue ninja. Oh, Bob l'éponge carrée. Et voyons ici. Vous vous souvenez d'elle? Ouais, elle est aussi de l'autre côté. C'est Charlotte aux fraises. Miam. Oh, regardez ça. C'est la fenêtre vers laquelle vous vous dirigez. Et c'est par là que vous commandez votre glace. Oh! Hello! Y a quelqu'un? Attendez une seconde. Personne dedans? Oh, j'ai une idée! Et si vous et moi, on allait à l'intérieur pour servir aux gens quelques glaces? Allez, viens! Oh! Wow! Très bien, alors rentrons par derrière pour servir des glaces. Mais d'abord, on doit allumer le groupe électrogène. Il sert à alimenter le congélateur. On va l'allumer. Wow! C'est comme un petit moteur qui génère du courant pour que le congélateur reste bien froid. Mais il est déjà bien froid, alors on peut l'arrêter. Bien! Montons par l'arrière et allons servir des glaces. Wow! L'intérieur d'un camion à glace! Oui! Trop génial! Wow! C'est là que le chauffeur du camion à glace s'assoit. C'est comme un autre véhicule, un volant, un levier de vitesse, un trousseau de clés. Bon, on n'est pas là pour conduire, on est là pour les glaces. Wow! Ce gros truc juste ici, c'est le congélateur. Ouvrons-le. Wow! Regardez toutes ces glaces. Bien, nous allons prendre 5 sachets de glace. Prêt? Bien. Ok, en voilà une. Une. Deux. Une autre. Trois. Juste là. Quatre. Bien. Voyons voir. Et voilà. Bien. Cinq. Bien. Cinq. Refermons ça pour les garder bien au frais. Donc, nous en avons bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sachets de glace. Mais maintenant, il nous faut 3 petits encas. Ok. Pourquoi pas des pop-corn. 1. Pourquoi pas, disons, des chips. 2 encas. Quoi d'autre? Oh, miam! Bien. 3. 3 encas. Alors, on a 5 sachets de glace et 3 encas. 5 plus 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miam! Bien. Maintenant, il nous faut prévenir tout le monde sur Twitter et Instagram que nous sommes là. Bien. Bébé. Ok, on a des glaces ici. Faisons-les passer. Bien. D'abord, on a Barba Papa. Qui veut Barba Papa?
Oh, miam! Et voilà! Qu'est-ce qu'on dit? Merci! Avec plaisir! Ok, nous avons un sandwich crème glacée. C'est moi! Miam! Merci! Je vous en prie! Et une Hello Kitty! Merci! Ouais, avec plaisir! Bien! Régalez-vous bien! Bye! Merci! Bye! C'était méga fun d'apprendre tout sur les camions à glace avec vous! Bien! C'est le moment parfait pour la fameuse chanson des glaces! Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace avec des belles fraises, de la crème et des bananas split. Faisons une glace avec des belles fraises. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une bonne glace au chocolat, avec des bonnes cerises chaudes dessus. Faisons une bonne glace au chocolat. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons de la glace de verre en bonbon, des verres gluants verts et rouges et jaunes. Faisons de la glace de verre en bonbon. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Miam! Ouh! Regardez ce que j'ai. C'est de la pâte foam clay. Et je fais comme si c'était une glace. Mais c'est en fait un jouet. Alors, fais en sorte de ne pas la manger. Bien, voyez? C'est comme une glace à la vanille. Mmh, miam! Et ça? C'est comme la glace au chocolat. Oh! Regardez, on a des ingrédients. Oh, comme ça? Ouais, du sirop de fraise. Ok. On retire le bouchon et on y va! Oh, miam! Oh, et regardez celui-là! C'est comme un sirop de chocolat. Wow! Oh! On en met encore un peu là. Miam! Oh, miam! Ça a l'air bon! Et ce que l'on peut mettre sur la glace au chocolat, c'est un peu de crème chantilly. Miam! Et voilà! Oh, ça m'a l'air super bon! Oh, regardez ce qu'on a par ici! Encore un peu de pâte foam clay! Je pense que ça mérite une cerise sur le dessus. Ok, on en prend un petit bout et on le pétrit. Tic, tac, tic, tac, tic. On en fait une boule. Oh, ça ressemble à une jolie cerise. Faisons un petit creux sur le dessus. Ouais. Bien, posons-le là, juste sur la glace au chocolat. Miam. Oh, ça a l'air bon! Mais comme j'ai dit, ne la mangez surtout pas! Et celle-là, apparemment, on a du bleu et du orange. Bleu et orange, mes deux couleurs favorites! Faisons des petits bonbons serpents. Bien, prenons la moitié de ça, orange. On le roule. Ok. Ouh. Regardez ça! Un bonbon serpent orange. Un bonbon serpent orange. Et puis, on prend le bleu. Et on va faire un autre bonbon serpent. Et on va le mettre ici. Bien. On le roule. Ouh. Regardez ce bonbon serpent. Posons-le juste là. Et voilà. Voilà. Qui ressemble à deux très belle fausse glace.
Miaou! Eh bien, voici la fin de cette vidéo. C'était super méga fun d'apprendre autant de choses sur les camions à glace avec vous et d'écouter, de danser et de chanter la fameuse chanson des glaces. Bien, si vous voulez voir mes autres vidéos, vous n'avez qu'à chercher mon nom. Voulez-vous épeler mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien, à la prochaine! Wouh! Hello! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au parc à jeux de Amy en Pasadena du Sud, en Californie! Venez! Nous allons apprendre nos couleurs! Wow! Wow! Cet endroit est trop cool! Wow! Ouh! On ne peut pas passer ici sans quitter nos chaussures! Voici une chaussure et voici deux chaussures! Hey! De quelle couleur sont mes chaussures? On dirait qu'il y a du bleu, orange et du blanc. Wow! Allons-y! Wow! Cet endroit est si coloré! Oh! J'adore jouer par ici! Oh! Cet objet est plein de couleurs! Regardez cette voiture! Cette voiture est de couleur jaune et de couleur rouge! C'est parti! Wow! Trop drôle! Wow! Qu'est-ce que c'est? Wow! C'est si doux là-dedans! Wow! Oh! Hey! Regardez ça! Clic-clac! Cette boîte a de nombreuses couleurs dessus. Oh, oh! Il y a tant de couleurs à nommer! Allez, continuons à explorer! Wow! Oh! On dirait un château! Et si on y entrait? Salut! Wow! Regardez ça! Oups! Ce ballon était de couleur bleue! Oh, oh, oh. Wow! Oh, voici un autre! Ce ballon était de couleur verte! Bien joué! Wow! Hey! Oui? Wow! Ouais! Wow! Wow! Le château est super grand! Wow! Hello, en bas! Hey! Wow! Regardez ces marches! Wow! Vous avez vu ces couleurs? Regardez ces couleurs! De quelle couleur est celle-là? Ça, c'est la couleur rose! Cette couleur... Juste ici? Ouais, la même couleur que la barrière. De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur jaune! Et juste ici? Oh, on l'a déjà apprise, celle-là. Ici, ici et ici? Oui, elles sont toutes de couleur... verte! Oh, hey, une seconde! C'est pas l'heure de la sieste. Ah, mais ce canapé est bien confortable. Vous savez de quelle couleur il s'agit? C'est une couleur intéressante. Cette couleur est la couleur turquoise. Wow! C'est une sorte de bleu avec du vert mélangé ensemble. Wow! Mais ce n'est pas l'heure de la sieste. C'est l'heure de faire des roulades. Wow! 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 Oh, oh, oh. J'adore faire des roulades! C'est trop rigolo! Il y a tellement de couleurs! Et je pense que c'est dégonflé. Comment peut-on gonfler ça? Oh! Regardez-là! Wow! Ça, c'est le moteur vert. Oui, ça, c'est vert. Et
jaune. C'est parti. Quelle est cette couleur? Oui, c'est l'une de mes deux couleurs favorites. Oui, et ça rime avec deux. Bleu. Regardez ça. Ça, c'est la couleur rouge. Très bien, c'est l'heure pour moi de tester le toboggan. Wouhou! Et c'est parti! Wouh! Wouhou! Ouais! Ah, salut! Hey! Wouhou! Et hop! Une boule de bowling! Et des quilles blanches! Wow! Salut en bas! Regardez, je suis en haut de l'escalier! Maintenant, je vais les descendre. Wow! Wow! Maintenant, je suis en bas de l'escalier. Je devrais probablement monter. Là, en haut des escaliers. Wouhou! Au revoir! C'est bien coloré ici! Waouh! Oh! J'adore explorer ces tunnels! Waouh! Ouh! Ok! Oh! Un toboggan! Ça donne envie! Oh! Ok! Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1! Oh! Oh! Hello! Ce toboggan était super fun! C'est un toboggan rose! Waouh! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Ring, ring! Wow! Ring! Wow! J'adore les dinosaures! Wow! Oh, regardez ces jouets! Oh, c'est trop mignon! Hello! Hello! Hey! Comment tu vas? C'est trop rigolo! De quelle couleur sont ces dinosaures? Oui, ils sont de couleur violet et rose! Wow! Oh! Regardez ça! Oh! C'est un hélicoptère! Et il porte mes deux couleurs favorites! Oui! De quelle couleur est cet hélicoptère? Oui, il y a deux couleurs. Bleu et orange!
Wouhou! Remettons ça là et allons explorer! Hop! 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 Wow! Wouhou! Regardez cette voiture bleu clair! Regardez cette voiture-là! Celle-là a l'air bien rapide! Wow! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous! Wow! C'était super fun de jouer au parc Amy en Pasadena du Sud, en Californie! Wouh! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous aujourd'hui! Hé! Hey, comme cette plante verte! C'était super fun! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo! Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom! Vous épelez mon nom avec moi! Prêt? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Super! On se voit plus tard! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où je suis! Je suis dans un supermarché! Mais regardez ce qu'il y a là! Une délicieuse pomme! Je me demande comment elle est venue jusqu'ici! Des pommes! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes. D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite. Comme celle-là. Celle-là a l'air vraiment bonne. Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes. Oh! Essayons de trouver une pomme ensemble. Vous voyez une pomme? Oh! J'en vois une! Oui, regardez! Oh! Oh, miam! Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme. Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs. Et quand le bac est plein, un tracteur le récupère et l'emmène. Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées et que tous les bacs sont bien remplis, il faut tout transporter jusqu'au camion! Wow! 4 énormes bacs pleins de pommes et un tracteur rouge! Ok, les pommes sont bien là, près du semi-remorque. Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque avec un transpalette. Sont chargés à l'arrière du camion. Alors, c'est parti! C'est parti pour l'usine! Nous sommes arrivés à l'usine. À présent, il nous faut prendre un transpalette afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion. Il est temps de laver et emballer toutes les pommes.
regardez, des pommes vertes. Maintenant, il faut vider les bacs de pommes afin de les nettoyer avant de les emballer. Les pommes commencent leur parcours en flottant, alors que les bacs continuent d'être vidés. Regardez, les bacs sont vides. Wow, ça fait beaucoup de pommes qui flottent. Ensuite, elles sont sorties de l'eau pour être frottées. Belles et propres, elles sont super brillantes. Regardez toutes ces brosses. Oui, ces pommes ont l'air de bien s'amuser. Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau. Belles et propres. Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs. Lorsque les pommes sont bien sèches, elles sont triées. Elles sont triées en deux catégories. Celles qui ont l'air bonnes à manger et celles qui n'ont pas l'air bonnes à manger. De celles qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger. Ouais, elles sont là. Elles remontent sur des tapis roulants en escalier et après, elles se retrouvent en bas sur des tapis roulants spéciaux pour pommes déclassées. Elles continuent leur chemin pour faire de bonnes tartes aux pommes. Mais ce n'est pas encore terminé. Sur toutes les bonnes pommes, on colle une étiquette avec ce type de machine. Et une fois que chaque pomme a sa propre étiquette, on la met sur ce que j'aime appeler un lit de pommes. Et puis, à l'étape suivante, ces lits de pommes sont placés dans des cartons. Ou bien dans des sacs plastiques. On dirait que quelques-uns de ces cartons ont besoin d'être fermés. Maintenant que les pommes sont bien propres et emballées, il faut les stocker dans un énorme réfrigérateur et attendre le camion. Nous sommes dans le réfrigérateur à présent. Il fait très très froid à l'intérieur. C'est là que toutes les pommes sont stockées. Wow! Regardez le nombre de pommes qu'il y a! C'est un énorme entrepôt de stockage. Le semi-remorque recule vers le quai de l'entrepôt pour charger toutes les pommes fraîches. Ces pommes sont bientôt prêtes à être mangées. Elles sont en train d'être chargées à l'arrière d'un semi-remorque. Waouh! Bien le transpalette! Encore quelques pommes. Maintenant que le semi-remorque est rempli de pommes, il va pouvoir livrer les supermarchés.
été super fun de comprendre comment les pommes arrivent dans les supermarchés avec vous. Et rappelez-vous, une pomme par journée préserve la santé. Salut, c'est moi, Blippi. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Waouh, un superbe avion jaune et bleu. Oui. Vous avez vu comme je sais bien imiter l'avion? C'est sûr, j'aime les avions. Eh oui, aujourd'hui, je suis au musée de l'aviation de Seattle, Washington. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons découvrir les avions. Ouais, c'est parti! Oh, salut! Bienvenue sur Blippi Airlines. Où allez-vous aujourd'hui? Waouh! Ah, ça a l'air d'être une belle destination. Est-ce pour les affaires ou le plaisir? Génial! Très bien! Voyons, vous êtes enregistré. Avez-vous un sac? Ok, parfait. Ouh, merci! Ok, mettons le sac sur la balance. Très bien, on dirait que vous êtes dans la limite. On va le mettre sur les tapis roulants. Ok! Bien, faites un bon vol! Mais attendez une seconde, ça a l'air super fun! Ça vous dérange si je viens? Parfait, très bien! C'est parti! Maintenant, j'ai un billet aussi! Ok, je vais faire le tour! Je suis tellement content qu'on parte en voyage ensemble! Hey, il faut qu'on passe à sécurité! Très bien! Oh! Vous entendez? Oh, ça veut dire que je dois avoir un truc qui va pas sur moi! Oh, je sais ce que c'est! C'est juste mon portable! Très bien, je vais le mettre là! Venez! Très bien! C'est parti! Parfait! On y va! Wow! Regardez l'avion! Wow! Regardez le fuselage! La cabine! Et regardez la queue! Wow! Je crois que ça va être super fun ce vol! Très bien, je vais mettre le sac juste là en bas. Ici, le sac. Wow, regardez! Ouais, un camion citerne! Wow, regardez! Carburant! Très bien, on prend le tuyau et on s'assure que l'avion est rempli de carburant. On y va! On le branche. Oh, parfait! C'est plein! Très bien! On y va! Ok, maintenant, l'avion est plein de carburant. Là, on peut s'attacher. Ok, d'abord, on va mettre notre ceinture. Et voilà. Maintenant, on écoute les instructions pour le vol. Merci d'avoir choisi Blippi Airlines. Merci de repérer les allées et l'issue de secours la plus proche. Attachez votre ceinture et veillez à ce qu'elle soit bien serrée. En cas de besoin, un masque à oxygène tombera devant vous. Très bien, on a les consignes de sécurité. Et les passagers sont bien assis. Maintenant, je vais donc pouvoir piloter l'avion. Wow! Regardez! Wow! Toutes ces jauges et ces instruments de mesure. Oh, très bien, c'est parti! Oh! Oui! Wow! Oh, regardez! Vous voyez l'avion? Il est trop gros! Ah, je suis bien plus petit que cet avion. Vous voyez là ce que c'est? Oui! Ça, ce sont les ailes! Beaucoup d'avions ont deux ailes sur le côté. Mais pas tous! Certains en ont plus! Wow! Et regardez! Vous voyez, le corps de l'avion s'appelle le fuselage. Waouh! Cet avion sert en fait à transporter des gens et les emmener d'un endroit à un autre endroit. Un peu comme en voiture, ou en bateau, ou en bicyclette, mais bien plus vite! Mais attendez, vous vous souvenez quand j'ai dit l'avion est trop gros? Là, venez, suivez-moi! J'ai un autre avion pour vous! Et celui-là n'est pas très gros. Souvenez-vous quand j'ai dit « l'avion est vraiment gros », regardez celui-là!
Waouh ! Oui, celui-là est petit. Bien, il est petit comparé à cet avion, mais je suis sûr qu'il y a des avions encore plus petits. Hé ! Quelle couleur voyez-vous là-dessus ? Oui, rouge, blanc et bleu. Oui. Oh, et quelle est cette forme ? Oh, oui, on dirait une étoile. Waouh ! Cet avion doit aller trop vite. Waouh ! Waouh ! Regardez ! Ce moteur va en fait sur un avion, mais il n'a pas de carénage autour. Waouh ! Il est tellement gros ! Regardez sa taille à côté de moi ! Vous voyez tout ça là-dedans ? Il y a plein de tuyaux et de tubes. Oh oui ! Alors, l'air entre par là, il est compressé, du feu, et puis boum ! Wow ! Ces roues sont tellement grosses ! En fait, il y a deux roues juste là. On est à l'avant de l'avion. Allons vers l'arrière de l'avion, pour voir combien de roues il y a. Wow ! Vous les voyez ? Wow ! Il y a bien plus de roues là derrière. Wow ! Cet avion doit être super lourd. C'est probablement pour ça qu'il y a toutes ces roues. Wow ! Regardez la taille de l'aile ! S'il pleuvait, je ne serais absolument pas mouillé. Wow ! Regardez cet avion ! Il a l'air d'aller super vite ! Hé ! De quelle couleur est cet avion ? Oui, c'est ça ! Il est bleu ! Avec un peu de jaune. Bien joué ! Wow ! Regardez cet avion ! Comme il est gros ! Wow ! Est-ce que vous voyez les couleurs ? Oui ! Il est blanc, rouge et gris. Allons trouver d'autres couleurs ! Wow ! Regardez cet avion ! Qu'est-ce que vous voyez de différent ? Oui ! Il y a deux ailes ici. Et il y a deux ailes de l'autre côté. Oui, ce qui lui fait deux paires d'ailes. C'est vraiment cool. Mais hé, on est là pour trouver les couleurs. De quelle couleur est cet avion ? Oui, c'est ça ! C'est bien vert ! Bien joué ! Sont des fourmis quand on est un oiseau. Dans l'avion, la tête dans les nuages, qu'on est bien tout là-haut. Écoute le bruit du moteur, paré au décollage. On va voler, 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 et d'un bond s'élancer jusqu'à aller toucher le ciel. On va voler, voler, voler tout là-haut, tournoyer. L'avion c'est sensationnel. On va s'envoler. Yeah, yeah. On va s'envoler. Yeah, yeah. Prends ton passeport et puis tes bagages, on part pour une grande aventure. Installe-toi bien confortablement et mets ta ceinture. Écoute le bruit du moteur, paré au décollage. On va voler, voler, voler et d'un bond s'élancer jusqu'à aller toucher le ciel. On va voler, voler, voler tout là-haut, tournoyer. L'avion c'est sensationnel. On va s'envoler. Yeah, yeah. On va s'envoler. Yeah, yeah. On va s'envoler. Thank you.
C'était super fun de découvrir les avions avec vous. Aujourd'hui, au musée de l'aviation de Seattle, Washington. Vous aimez les avions? Oui, moi aussi. C'est trop cool comme ils volent haut dans le ciel. Oui, oui. Et puis, il y a des petits et des gros avions. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien, à plus tard. Bye bye. Qu'est-ce que c'est? C'est une pelleteuse! Ouais! Vous êtes prêts à découvrir les pelleteuses avec moi? Ouais! Allons-y! Spectaculaire! Découvrons les différentes parties de la pelleteuse. Venez ici! Commençons avec la cabine. Là, à l'intérieur ici, c'est là où le conducteur de la pelleteuse s'assoit. Regardez dedans! Waouh! Il y a beaucoup de manettes de contrôle ici. Ça a l'air fun! Wow. Ok, fermons la porte. Oh! Oh! Regardez! Ouais! Ce sont les chenilles de la pelleteuse! Wow! Il n'y a pas de roues ni de pneus sur une pelleteuse. Uniquement des chenilles qui lui permettent de rouler sur les pierres, dans la boue, sur les grosses buttes de terre, sans jamais rester bloqué, comme ça. Vous voyez? Je suis même pas bloqué! Oh! Regardez là derrière! C'est... le compartiment moteur. C'est là que la pelleteuse puise toute son énergie. Ah, regardez! Waouh! Il y a d'autres composantes du moteur de l'autre côté et sur le dessus. Il y a des radiateurs, du liquide de refroidissement et tous ces trucs fun là-dedans. Oh! J'ai failli oublier ma partie préférée! Le godet, c'est parti! Regardez le godet! Ce godet de pelleteuse est super gros! Il peut creuser et retirer d'énormes pelletées de terre dans le sol! Cette partie juste là, celle-là, ouais, ça s'appelle le pouce! Wow! Regardez encore tout ça! Wow! Ça, c'est le bras de la pelleteuse. Il est très grand. Et cette partie-là, ça, c'est la flèche de la pelleteuse. Le bras, la flèche et le godet. Et tous ces éléments sont articulés grâce au vérin hydraulique. Waouh! Il pousse le fluide à... et tout peut alors bouger. Ouh! Wow! Je suis une pelleteuse! C'était trop super fun de découvrir les éléments de la pelleteuse. Thank you.
Maintenant, c'est l'heure de conduire la pelleteuse. Allons-y. Wow, wow, wow. Et avant toute chose, la sécurité d'abord. Ouais. Ouais. Regardez, j'ai mon gilet de sécurité et mon casque jaune. Oh, vous voyez ces joysticks? Ce sont eux qui dirigent le bras, la flèche et le godet. Voyez? Oh, et celui-là? Celui-là permet de pivoter. Regardez ça! Wow! 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 C'est tellement fun! Oui! Ok, et alors je le pousse de l'autre côté. Et là, nous allons pivoter dans ce sens. Wow! Wow! Oui! Ok, on y va. Bien. Assez pivoté. Maintenant, c'est l'heure de creuser. Le joystick. Ouais! Wow! Regardez la taille de cette pelletée! Ouais! Et maintenant, allons vider cette pelletée! Wow! Ça, c'était une grosse pelletée! On fait une petite virée en pelleteuse. On roule tranquillement pour trouver un nouveau spot où creuser. Regardez ce que c'est! C'est une souche! Oh, je me demande ce qu'il y a en dessous de cette souche. Je me demande ce qu'il y a sous la souche. On dirait bien que c'est de la terre. Beaucoup de terre. Hé, regardez! Une énorme pierre! Quoi d'autre? Regardez! C'est un lecteur CD! Les lecteurs CD diffusent de la musique. Je me demande quelle chanson se cache dedans. C'est la chanson de la pelleteuse. Excavateur. Et la terre à tout à l'heure. Je suis un excavateur. J'ai un très gros bras et un très gros baquet. Si je commence maintenant, j'aurai vite tout creusé. Je récupère toute la terre. Je suis un excavateur. Très gros baquet et je ramasse tout le temps. Creuser des trous dans le sol, que vais-je trouver? Je suis un enquêteur de terre, je suis un excavateur. Oh, vous voyez, je n'ai pas de pied. Sans pied? Comment avancer? Je roule sur des rails pour me déplacer et bouger. Je suis un excavateur, excavateur. Hey, la terre à tout à l'heure. Je suis un excavateur. Hey,
c'est l'heure de faire la pelleteuse. Je vous apprends. Tout ce qu'il faut faire, c'est lever les bras, comme le bras, la flèche et le godet, et on va creuser. Trop fun! Il y a un endroit pour conduire, c'est la cabine d'où on contrôle la pelle pour ramasser. Je suis tout un régulateur, je suis un excavateur. Oh, vous voyez, je travaille tout le temps. Vous dormez parfois ? Pas de repos, pas d'amusement. Je suis un excavateur, excavateur. Aïe, la terre. Tout à l'heure, je suis un excavateur, excavateur, excavateur. C'était super méga fun de découvrir la merveilleuse machinerie d'une pelleteuse avec vous. Bye bye. Regardez où nous sommes! Aujourd'hui, nous sommes au musée Glazer des enfants à Tampa en Floride! Ça va être trop méga fun! On y va! Wow! Regardez cet endroit! Il y a tellement de choses pour s'amuser! Là, dans l'eau, regardez! Oh! Oh! Et regardez ça! C'est une grue portuaire! Vous poussez ce bouton et la grue transporte le conteneur de l'autre côté de la baie, comme dans la réalité. Oh, bye bye le conteneur. Ouh! Et regardez ça! On dirait un pont suspendu miniature. Oh! Et là, il y a des boules, regardez. Vous placez les boules dans le tube. Regardez! Les boules ont suivi le circuit jusqu'à la fin, comme les voitures. Wow! Regardez tous ces jouets. Chou! Un jouet jaune. Une boule bleue. Vert. Et jaune pour ce bateau. Ouh! Et un poisson. J'adore les poissons. Les poissons sont bons à manger et bons pour la santé. Et regardez, un plongeur! Je vais lui mettre son masque et son détendeur et sa bouteille jaune qui lui permet de respirer sous l'eau, comme ça. C'était vraiment super fun! En parlant de fun, regardez ça! C'est une vis, avec une partie dans l'eau et une autre hors de l'eau. Si vous la faites tourner, elle fait monter l'eau jusqu'en haut. Wow! Donc, l'eau arrive jusqu'au sommet, elle sort par ce tube, et puis elle fait tourner la roue. Wouh! Cet endroit est super fun! Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On dirait un bouton. Que se passe-t-il si on pousse le bouton? Oh! Ouh! Une sorte de pompe manuelle que je contrôle. 3, 2, 1, pshou! Pshou! Ouh! Ah! Ok! Allons voir ce qu'il y a ailleurs. Wouhou! C'est un autre pont suspendu miniature. Et regardez ça! Une voiture miniature! Boum, boum, boum!
Donc, c'est l'heure départ de la course. Compte à rebours. 3, 2, 1... Yeah! Wow! C'est parti! Ouais! On l'a fait! On y va! Wow! C'est un télescope! Wow! Oh! Wow! Ouh! C'est quoi là-bas? Venez! Ça, c'est un simulateur de bateau de croisière. Oui, oui, oui! En avant! En arrière! Mi, mi, mi! Tout! C'est trop cool! Et regardez! Il y a du sable ici! Waouh! Plein de jouets de plage! Venez par là! Je vais le remplir. Regardez ça de plus près. Oh, cherchons un endroit pour aller le vider. Là, ça ressort par en bas et ça, ça tourne. Oh! Oh! Ce bac à sable est super cool. Oh! Ça, c'est une ancre là-dessous. Regardez. Il faut creuser comme pour les trésors. Ouh! Comme une ancre reliée au bateau. Et alors, on jette l'ancre par-dessus bord. Et puis alors, elle coule jusqu'au fond de l'océan. Elle garde ainsi le bateau ancré à sa place au milieu de l'océan. Et puis, je suis allé à l'exposition des musiques du monde. Regardez-nous! On tape très fort sur les tambours. Ensuite, on tape sur les tambours très doucement. Et puis, on se remet à tambouriner très fort de nouveau. Wouh ! C'est un supermarché ! Venez, faisons quelques courses. D'abord, on doit prendre un chariot. Fiou ! C'est parti! Quel genre de course allons-nous faire? Prenons des céréales. Ok. Et... pour midi... un peu de lasagne. J'adore les lasagnes. Et... ouh, des biscuits à la cannelle. Oh. Des cornets à glace pour le dessert? Oh, oui! J'ai besoin de légumes! Les produits du terroir, c'est si bon pour la santé. Comme... des poivrons! Prenons des poivrons verts. Et... une tomate rouge. Une carotte. Du maïs. Oh! Qu'est-ce que c'est là-bas? Une banane! Les bananes, c'est délicieux et bon pour la santé. Une orange, c'est une orange qui est orange. Et on peut aussi utiliser une pomme. Et une poire. Miam! Oh! Et il ne faut pas oublier les tomates en dés. Et... voyons voir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Des spaghettis rondes. Ouais, des spaghettis rondes. Et encore des spaghettis rondes. Et encore des spaghettis rondes. Oh, maintenant qu'on a toutes nos courses, allons... oh, les pâtisseries!
On ne part pas sans une part de gâteau. Ok, voilà. On va prendre celle-là. Ok. Miam. Ça a l'air trop bon. C'était trop bon. Allez, on y va. Oh, on ne peut pas partir sans payer. Voyons ce que nous avons. Total, voyons. À peu près ça. Ouais. Ok, on peut y aller. C'est parti. Maintenant qu'on a toutes ces courses, c'est le moment de cuisiner. Ok, posons ça ici et venez voir par là. Voilà, parfait. Ce sont des fours à pizza. Yep. Et là, les ingrédients pour la pizza. Voilà tous les choix d'ingrédients. Regardez. Ok, je vous fais une pizza. Voyons voir. D'abord, on commence avec la pâte. Et vous voulez quoi? Oh, vous aimez les poivrons? Ok. Mettons des poivrons verts. Oh. Ok. Encore un autre. Ok. Voyons. Vous aimez le chorizo? Ouais. Mettons un peu de chorizo. Allez. Trois tranches de chorizo. Une. Deux. Trois. Ok. Regardez. Je crois que je peux mettre plus d'ingrédients. Comme des champignons. Ouais. J'adore les champignons. Deux, trois et des olives noires. Ouh, miam. Ok. C'est bien. Regardez la pizza. Ça a l'air bon. Ouh. Je la mets dans le four. Bien. Il faut attendre un peu. Ok, c'est prêt. Allons par ici. Et allons servir les gens. Et voici. Bonne pizza. Ah, oh, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est... Ouais, c'est là qu'on commande les sandwichs. Vous voulez un sandwich? Ouais, j'adore les sandwichs. On commence avec un plat. Et on prend une tranche de pain. Ok. Et vous voulez du fromage? Ouais, j'adore le fromage. Miam. On met le fromage sur le pain et un peu de laitue. Miam. La laitue, c'est très bon pour la santé aussi. Ok. Et une tranche de viande. Ça a l'air trop bon. On met ça dessus, voyez. Quoi d'autre encore? Encore un peu de légumes? Ouais, une tomate. Miam. En fait, mettons deux tomates dessus. Une. Deux. Ok. Maintenant, il nous faut une autre tranche de pain. Ok. Ça a l'air trop bon. Allons le servir à table. Bien. C'est parti. Ok. Apportons-lui des verres. Et puis, je pense qu'ils seront prêts pour manger. Un verre jaune pour vous et un verre bleu. Régalez-vous! Wow! C'est une caserne de pompiers! Caserne 110. Et regardez, voici les pompiers. Et je vais me changer en pompier. Hello! Ha ha! Hey! Oh! Hello! Hey! Et enfin, le dernier. Hello! Ho ho! Hey! Ok! Il faut qu'on aille dans le camion de pompiers. Je vais prendre mon toutou. Il m'aidera avec la pompe à incendie. Ah! Ok! Assieds-toi, partenaire! Ok. Puis... Oh! Ok! Mince, j'ai lancé la sirène! Mettons le casque anti-feu. Ok, on est arrivé à la caserne. Je vais voir la bouche d'incendie.
Je prends le tuyau. On est bien accroché. Je vais voir à l'intérieur vite fait. Ça va en bas? Et regardez, un poteau de feu. Prêt? Faut aller éteindre le feu. Il y a le feu. Venez, montez. Ok, et c'est parti. Wouhou! Boule orange. Boule bleue. Wow! Ok, la boule bleue. Wow! Vous avez vu ça? Oh! Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a un paquet de roues. Et elles tournent. Mais quand tu tournes celle-là, tu dois faire tourner celle-là en utilisant celle-ci. Ok. Oh! Il va falloir les connecter. Ok, on connecte la jaune à la rouge connectée à la jaune, et puis connectons la bleue à la rouge. Vous voyez? Et puis on connecte la bleue avec la bleue, bleu, bleu, rouge, jaune, rouge, prêt? Wow! On l'a fait! Ouais! Et regardez ce que ça fait maintenant! Regardez ce que c'est! Waouh! C'est un mur d'escalade! C'est un mur avec plein de prises dessus. On les attrape, on s'y accroche, on met les pieds dessus. Comme ça, on peut traverser ce mur sans jamais toucher le sol. Waouh! On l'a fait! Bon boulot! Oh! Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs animaux. La tortue! Les tortues sont très lentes. Et un chien. Et un lapin. Et un perroquet. Les perroquets vont très vite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais appuyer sur le lapin. Oh! 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 Ouais! J'ai couru jusqu'au fond et j'ai battu le lapin. Bien! Allons-y contre le perroquet, ça va bien plus vite. Prêt? C'est parti! Wow! Ouais, on l'a fait! Oh, hey! Je colle ces petites pièces sur le mur. Regardez ce que j'écris. J'ai écrit mon nom. Vous connaissez mon nom? Ouais, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Oh, voyons ce que les gens ont écrit. Comme là. C'est écrit mes affaires. Et là, paix. Paix. Oh, content. Content. Amis. Oh, comme vous, vous êtes mes amis. Ouh. Et amour. Amour. Oh. Oh. Et mon frère. Mon frère. Ha. Ici, au musée, ils ont une scène où l'on peut se déguiser en pirate et jouer comme un pirate. En garde! Tching, 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 tching! Tching, 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 tching! Tching, 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 tching! Regardez! C'est mon sabre! Tching, 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 tching! Ha!
Voyons ce qu'ils ont d'autre ici. Wow, regardez! C'est un mur avec des petites billes en plastique de couleur rouge. On les pousse vers l'intérieur. J'ai une super idée. Regardez ça! C'était fun! Et assez drôle. Regardez ça! Venez par ici, de ce côté. Oh, regardez! C'est mon visage, mon corps, mes mains. Capturé par un chasseur de primes. Suivez-moi. Ouh, cool ces petits blocs. Ils sont rectangulaires. Ouh, encore des blocs multicolores, comme des verts et des roses. Et là, un rouge. Et par ici. Wow, c'est super sombre là-dedans. Entrez. Ok. Et wow, wow, c'est une lumière. Et là, c'est un mur de lumière. Regardez ça. Wow, wow. Oh, j'ai écrit mon nom. B-L-I-P-P-I. C'est trop cool. Ok. Wow, encore des trucs cool. C'est une piste de danse. Et regardez, il y a une caméra ici. Wow, wow. Ok, je pense qu'il faut pousser le bouton. Voyons voir, ballet, Bollywood, latino, country, hip-hop, la fête ou Joker. La fête, c'est parti.